Le premier défi va vous demander d'éliminer des adversaires depuis les airs. Donc pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. La première solution, c'est tout simplement de mettre un mec en PLS. Quand il est en PLS, là, ce que vous allez faire, c'est tout simplement sauter. Et pendant que vous êtes en train de sauter, vous essayez de le finir. Voilà, comme ceci. Très important, vous devez l'éliminer. Donc, il ne doit pas être en PLS quand vous faites l'élimination. Ensuite, la deuxième solution, si vraiment la première solution ne fonctionne pas, c'est de mettre un mec en PLS, toujours, hein, pour avoir plus facile. Donc là, je vais en chercher un. Ok, donc là, j'ai réussi à trouver un adversaire. Je l'ai mis en PLS. Donc, ce que vous allez devoir faire, si la première solution ne fonctionne pas, c'est tout simplement créer deux rampes de hauteur et ensuite de sauter, et pendant votre chute, là vous essayez de le terminer. Là ça n'a pas fonctionné, il lui reste encore de la vie. On va réessayer. Ok, donc il est juste devant moi. Donc là je saute et je lui inflige des dégâts quand je suis en train de tomber. Logiquement vous serez dans les airs et logiquement ça devrait fonctionner. Après peut-être que si vous utilisez le grappin comme ça, je pense que vous ne pouvez pas attaquer en même temps. Ah si, vous pouvez attaquer en même temps. Donc peut-être qu'avec le grappin ça peut fonctionner aussi. Hein. Vous prenez de la hauteur, comme ça, comme vous n'avez pas de dégâts de chute, c'est peut-être une bonne idée, et vous infligez des dégâts aux adversaires pour essayer de les éliminer. Dès que vous aurez réussi à éliminer 3 adversaires en étant dans les airs, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses.